Ouais. Tout seul. Bonjour à tous et bienvenue sur ma page YouTube. Donc, je vais répondre à vos questions que j'ai pu recevoir sur les réseaux sociaux. Donc, tout de suite, la première question. Le lundi, je fais les épaules. Le mardi, je fais les cuisses. Le mercredi, je fais le dos. Le jeudi, je fais ma séance pec. Et le vendredi, je fais les bras. Quand je fais les bras, je fais biceps, triceps. Maintenant, passons à la deuxième question. En fonction du muscle que je travaille, mes séances peuvent durer entre 45 minutes et 1 heure. Alors, troisième question. Généralement, j'utilise les barres haltères pour la force. Donc, j'utilise ça en début de séance. Je fais deux exercices à base de barres haltères. Et ensuite, pour les deux derniers exercices, je passe avec des poulies ou des machines pour l'isolation et la congestion musculaire. Passons à la quatrième et dernière question. Quand je fais ma séance de pec, je commence par le développé couché. Ensuite, je fais deux autres exercices. J'en fais pas plus parce que juste avec le développé couché, ça me prend à peu près 45 minutes. Avec le programme 5x5 que je fais en développé couché, on va dire en mi-lourd, pour pouvoir améliorer mon maxi. Ensuite, je passe souvent aux écartés. Je fais trois séries d'écartés de 15 répétitions et je termine par un exercice de dips. Bon, des dips lestés à 30-40 kg. Et pareil, je fais des séries de 15-20 répétitions. À la fin de cette vidéo, j'ai fini de répondre à vos questions. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer d'autres questions sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook. Le nom, c'est Alexandre Hulin. Ça me ferait un plaisir d'y répondre et pourquoi pas échanger après des techniques au niveau des entraînements, des performances, il n'y a aucun problème. Et avant de partir, mets un petit pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne et à bientôt pour de nouvelles vidéos et des nouvelles performances.